j'adore cette dynamique. Oh, le petit poke de Guardian. Vous voyez, l'overgrid pas. Hein. L'overgrid pas parce qu'il sait qu'il y en a d'autres portes. Voilà, ça c'est malin. Hop, il met le truc, il prend son petit infoporte. Ah, il Il est grid pas. malin, comme dirait une certaine personne. Il a l'info, tu vois, là il le sait, il sait qu'il est low HP, il est juste là pour le bait, pour le faire tenir ici pendant que tous ses potes passent la longue. Regardez, regardez le. Ah bah il a violé. Regardez la longue. Regardez le radar. Il y a ses potes en. Il y a ses potes en A qui prennent le BP, tu vois. La Gordienne, il est là et il a tenu la zone. Et quand il l'a joué, ce qu'il a dit, bon, au final, il a quand même joué. Quand il l'a joué, c'est parce que son pote revenait de la porte. Voilà. Et voilà, donc là, déjà, il a 3 kills. Oh, calmito. 4 kills, même. Donc là, on est sniper. Let's go. On prend le boost. Allez, merci, Anna. On te baise. Ça, certainement, qui sait que le petit Anna, il a tendance à pique ici. On clear la ligne. On n'est pas naïf du boost. On laisse passer un mec devant. On a l'info. On revenge. Voilà, Guardi. Maintenant, qui sait qu'il a fait 2 kills? Maintenant, qui sait qu'il a fait 2 kills sur le ballon? Il sent normalement que Longa, il n'y a rien. C'est pour ça que même avec un HP, là, vous le voyez avec un HP, il est parti Longa instantanément décale. Alors que normalement, t'as peur. Mais lui, il n'a pas peur parce qu'il sait. S'il y a 2 mecs ballon, il n'y a personne Longa. Et là, il attend que les CT, par exemple, ils aient repush la longue. Voilà. Même low HP, on est confiant parce qu'on sait quoi. On sait que c'est pas possible qu'il y ait un mec Longa si les mecs, ils sont pas longs. Sauf s'il y a un setup 3, 4 en A, mais instantanément t'as l'info et les mecs ils déboulent en B. Ouais, même avec un HP, c'est pour ça que là il avance, tu vois. C'est pas comme un. Je sais pas comment dire, mais. C'est de l'agressivité calculée, quoi. Là, il met sa pression A, il regarde le radar, tout le monde se redirige vers le B. Et ça fait quoi? Ça fait que le joueur qui est dans la banane, le CT qui est dans la banane ici, bah, il est bloqué quoi. Voilà. Et on a Guardian, qu'est-ce qu'il fait? Il se replace et là, hop, il lurk. Maintenant, il prend que le connecteur du retour. Donc on a un premier kill qui est très certainement une anti-strat, c'est-à-dire qu'il sait que N1 il a tendance à pique à cet endroit, pas à droite de la smoke, pas au niveau du ballon, pas au niveau en bas. Il sait que N1 doit pique ici, à mon avis. Donc hop, il le pré-shot. On voit bien il prend son couteau, il prend son move et il fait ça. Donc là, c'est du travail en amont. Il le tue. Le deuxième, il a l'info. Il revenge. Il lui met un gros kill quand même au deuxième. On va pas se mentir. Enfin, faut le mettre aussi le kill. Le troisième kill qu'il fait. Non, il n'y a pas de troisième kill, non? Bah, c'est celui-là. Et après, voilà, c'est du jeu intelligent, quoi. On vide la longa. On a toute l'info longa. Donc il va mettre la pression longa pour mettre de l'activité longa pour fixer le mec en A et les autres après vont B. C'est là tu vois un round comme ça, tu te dis putain mais c'est comme ça que je dois sniper. Tu vois? C'est comme ça qu'il faut sniper. Il y a l'anti-strat, le move, le skill, l'activité, donc l'intelligence de jeu après d'être complet, de savoir gérer son stuff. Et après il lurk. Il se repositionne, après il y a le travail du repositionnement et tout ça. Là, on sait que 1-1 a un sniper, qu'il est B. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, j'ai rien compris au round. Il était pas B? Tant pis. Là, on se fait dropper un petit scout. On s'est fait moneyfuck. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Regardez, toujours bon positionnement, le petit Guardian. Hein. Troisième de rush, au chaud. Toujours des mecs devant lui. Après, c'est le rôle d'un sniper, parce qu'il ne peut pas passer devant un sniper. C'est comme avant, vous voyez Kenies qui calait, qui entrait, qui faisait des bunnies, mais qui est tout le monde à GW aussi, qui était comme ça. C'est pour ça que ces deux joueurs ont eu une baisse de niveau. C'est-à-dire qu'ils ont évolué à un niveau où ça, c'était le top du top. Mais maintenant, les mecs, ils savent se défendre, ils mettent des smokes, ils mettent des molos, ils mettent des flashs. Vous voyez, Guardian, tac, il met le stuff, et après, hop, il garde les lignes. Voilà, c'est ça le boulot d'un sniper dans les phases de jeu de rush. Ça passe, ça se passe pas, tu traverses pas la molo, tu gardes la ligne. Hop, on garde le cul. Essayer d'avancer, de se replacer. Et aujourd'hui, c'est plus ça un sniper. C'est pour ça que GW n'est plus aussi efficace, Kenies n'est plus aussi efficace. Ils ont eu du mal à s'adapter à l'évolution du jeu, quoi. À l'évolution du jeu, tout simplement.
Ah, donc un pas naïf. Il garde le boost. Et c'est des joueurs qui jouent encore comme ça. Et c'est pour ça que Guardian, Device, t'apprends beaucoup plus de ces deux snipers que qu'un Kenyes en POV, je pense. Même si c'est un peu en train de changer, mais voilà. Et Fallen, il tient pas le coup? Fallen, si, mais le truc c'est que Fallen, il support énormément. Donc il joue très peu sur son sniper. Il support. C'est Zeus au sniper, Fallen. Il support de ouf. Enfin, moi je trouve qu'il est très mal utilisé quoi. Je peux juste Ça. aller les voir sur ma chaîne YouTube. Voilà, pareil, hein, Gordian. Regardez, il fait des kills qui. Enfin là pour moi il sert à rien quoi. Genre il a fait un kill pendant que tous ses mecs sont allés B. Il est descendu du connector, il a fait un kill d'un mec de dos. Là il va B, il fait un kill d'un mec qui le push. Là il a 3 kills par exemple, sachant qu'il va pas mettre le rune. C'est-à-dire que même si là vous le voyez, tu dis putain mais il était un V5. Mais là regarde, il Mais écoute tu trouves toi. c'est Deux secondes, deux secondes, deux qui a le secondes. jeu le plus Allô, allô, intéressant? allô, allô! Deux secondes, frérot. Je suis en train d'expliquer un truc. T'es là, tu coupes. Allô. Donc là, vous voyez que il est 1v5. Il fait un kill. Un deuxième kill, parce qu'il est en A tout seul que les autres sont B. Un kill connector d'un mec qui rotate naïvement. Un kill B d'un mec qui a push. Derrière, il move au couteau. Il a fait... Donc là, il a fait 3 kills. Et les gens vont dire, putain, Guardian, FaZe, ma bite, hein. Guardian, il est seul à 12 kills. Mais là, les 3 kills ne servent absolument à rien, tu vois. Après, c'est le plan de jeu. Mais là, clairement, ça sert à rien. Que Non, mais pas Device Guardian, c'était des gens. C'est équilibré, c'est des joueurs équilibrés. C'est des gens qui Ouais, savent voilà. stuffer, vous les voyez. C'est des gens qui savent stuffer, c'est des gens qui savent être agressifs, qui savent être passifs. Ça se voit, c'est des mecs qui commettent pas d'erreur. Vous avez vu la Guardian commettre une erreur? Depuis en 8 rounds, là. Là, c'est le 9e round. Il y a 5-3. On est au 9e round. Vous l'avez vu commettre une erreur, la Guardian? Soyez honnête là dans le chat. Tout à l'heure, on a regardé Twist. Vous avez vu Twist commettre une erreur? Vous avez vu Rain Non. commettre une erreur? Vous avez vu là Guardian commettre une erreur? Parce que c'est des joueurs équilibrés. C'est des joueurs très intelligents qui calculent en une microseconde, qui calculent les risques à prendre. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Là, regardez, il calcule ses risques et donc là, il sait qu'il est en écho. Il sait qu'il doit mettre de l'activité en A pendant que tout le monde est en B. Regardez le radar. Regardez le radar. Il a fixé deux mecs en A et là, il y a tout le monde qui passe B. Ils sont passés B. Bam! Il va récupérer la bombe va être plantée, le spawn CT est secure. Regardez, c'est extraordinaire. Genre là, le round que vient de faire Guardian par exemple, c'est-à-dire que là, il a fait 3 kills qui servent à rien, mais là, il a fait 0 kill. Et là, sur ces 0 kills, il a quand même mis tellement d'activité et tellement pris d'espace pour que ses potes puissent mettre le round. Voilà, donc là, il pique Connector parce que il se dit que 1-1 va venir pick Connector. Et c'est ce qui est en train de se passer, je le vois, il est au-dessus du Connect, non? Ah, c'est dommage qu'il soit pas plus patient, il s'en va. Regardez, il est versatile. Il bouge, hop, il garde le boost. Regardez. Voilà, pas naïf, pas d'erreur. Pas naïf, pas d'erreur. On décale les lignes, connector, on sait jamais. Là, on y va, on saute. Là, il y va un peu trop YOLO, je trouve. Mais dans tous les cas, il y a ses potes qui sont quand même à gauche, histoire de revenge. Là, on part sur un run boost sur la longa. En un round, on a vu 4 possibilités. Il a pick connector. Derrière, il a décalé une ligne. Que même moi je fais pas parce que je suis au rifle, mais à la WAP, pour ceux qui sont snipers là sur le stream, vous avez vu qu'il a décalé deux lignes qui étaient très intéressantes. Derrière, il se fait run boost sur la longa pour essayer de dodge le fight. Il garde la longa pour le pick pendant que ses potes sont en train de prendre les toilettes. Vous voyez commettre des erreurs? Quand tu veux regarder une démo, tu vas apprendre d'un joueur pour t'inspirer d'un joueur, bah tu fais ça. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ces joueurs-là qu'il faut regarder. Quand tu regardes KNES, quand tu regardes Apex. Tous ces Français, ils commettent tellement d'erreurs. Ils commettent tellement d'erreurs parce qu'ils sont ultra confiants. Ils sont en surconfiance. Ils sont en surconfiance parce qu'ils sont en 2012 encore dans leur cerveau et ils se disent on est les meilleurs. Juste je le décale, je nique sa mère. Ils sont dans cette ambiance. Je vous le dis. Là, ils Mais il doit faire supportent. beaucoup beaucoup d'entraînement, non, Malek? C'est obligé pour avoir ça. Non, c'est une manière de s'entraîner. Mais après, oui, ça demande des heures de travail. Mais il a pas plus d'heures de travail qu'un Kenny. Puisque Kenny s'entraîne d'une manière et que Gordon s'entraîne d'une autre. Donc là, regardez, le round est fini. Merci, au revoir. Je vais save mon AWP. Donc. Et là, s'il y en a qui décale, il va prendre un kill gratuitement. 3, 2, 1. Ça va décaler maintenant. Il est chaud. Donc là, regardez, il fait du 12-6. Il save son AWP. Il save son KD. D'accord? Le KD, les gars, c'est le kill death. Le kill death ratio. Donc là, il est toujours à 2 de ratio. Il est toujours à 130 d'ADR. Donc il save un peu ses stats en allant save. Voilà, ça passe pas. Moi, j'ai jamais vu les Français faire ça. Je ne vois pas les gens
être rigoureux comme ça. Parce que là, en plus, il a la WAP. C'est-à-dire que maintenant, il décide d'aller jouer sur son AWAP. On va voir ce qui va se passer. Donc là, il avait un top spawn. Il va certainement essayer d'ouvrir le B. Ouais, il va vouloir tenir le boost du mec qui saute. Un truc comme ça. Il est blanc. Il prie que personne ne le décale. Et hop, on décale le boost et on attend le boost. Voilà, logique. Il n'y a rien. On décale le monster. Et hop, entry. Voilà. Le save de la WAP d'avant, il est tout de suite rentabilisé. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On change encore de zone. On s'en va. Tu veux être sniper? Voilà, faut être mobile. Faut bouger dans tous les sens. Voilà, c'est l'école. T'apprends, t'es à l'école de Counter-Strike quand tu regardes une POV. Après, il faut savoir interpréter ces choses-là. Quand tu regardes une POV, il faut savoir de. Là, je te dis tout. Là, je dis tout. Est-ce que toi, de ton côté, quand tu vas regarder la POV, tu vas l'interpréter comme ça? Ou tu vas dire non, mais il court partout, Guardian, il est en B, là maintenant il est en A. Vous voyez, il a toujours deux pigeons qui passent devant lui. D'accord? On sait jamais que eux se fassent tuer parce qu'ils ont des pistoles. Même au rifle, de toute façon, il serait passé devant. Et derrière, voilà. On essaie de jouer sur le sniper. Donc là, il était B à 1,15. Maintenant, à 1,45, il est longa. Bon, il se fait tuer parce que 1-1, il garde la longa. Et vous avez vu que l'entrée a été faite, quoi. Hop, on décale la ligne. Donc ça, c'est son petit truc, hein. Ça fait deux fois déjà qu'on le voit décaler ici. Donc à mon avis, ça, c'est sa petite ligne à Guardian. Donc là, par exemple, tu vois, t'es le coach de G2, t'es l'analyste de G2, t'es l'analyste de Vitality. Tu sais très bien que quand tu joues face sur Overpass, tu vas dire, écoute-moi bien, Guardian, quand il décale ballon, il aime bien décaler ici. Ensuite, il a son tips quand il vient décaler connector. Ensuite, il a son tips quand il vient décaler le boost du B. Tu vois, c'est des trucs que quand tu es analyste, c'est à ça que tu sers. Tu regardes une démo et tu dis, ok, lui, il fait ça, lui, il fait ça, lui, il fait ça. Fais attention à tel danger, tel danger, tel danger. Tu fais ça sur tous les rôles, tu listes tous les dangers et tu donnes ça. Donc, voilà ce à quoi sert un analyste. Ouais, et là, il décale. Tout le temps, on l'a vu sur la longa. On l'a toujours vu sur la longa. Qu'on soit bien clair. C'est le 11e round. Il y a, non, 6-5, c'est le 12e round. On l'a toujours vu aller plutôt sur la longa, Guardian. Là, maintenant, il va sur la banane. Et comme par hasard, il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé de rythme. Voilà. Ils ont changé de rythme. Et puis tout à l'heure, il va longa, 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 il va longa. Et maintenant, ils vont plutôt sur la banane. Il sait que les toilettes ne sont pas clear, donc il n'est pas naïf et il décale ligne par ligne les toilettes. Encore une fois, tranquille. Adren meurt, il sait qu'il a l'info. Et maintenant, Guardian, il les verrouille. Il essaye de le fermer tout de suite. Hop, il sait qu'il y en a un à contact. Il lui met sa pression. Il retourne B. Le call est fait. On va B. On est 3. Voilà, parce qu'il y avait un frérot qui s'est. Nico, il s'était infiltré BPA par la banane. Hein, parce que les deux étaient bananes. Donc Nico s'est infiltré BPA, pour ceux qui se posent la question de ce qui s'est passé là. Il y a eu deux kills de Nico. Il était even, il a réussi à s'infiltrer. Ils ont réussi à faire un call parfait de passer sur le milieu de la map et pas sur la gauche de la map. Donc la longa, c'est la gauche. Depuis tout à l'heure, ils vont à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Donc là, les CT sont allés en défense à gauche. Et là, maintenant, eux, ils sont allés sur le milieu de la défense. C'est. Là, c'est. Tactiquement, c'est. Là, tu regardes ça, tu te dis BJ. Et on essaye de les verrouiller derrière. Essayer de les faire tomber. C'est quoi ces black bars? Bah, c'est la config de Guardian. Donc on voit le jeu comme lui il le voit. Parce que tu vois bien qu'on voit son viseur. On voit son viseur et sa config. Voilà. Là par exemple, c'est la démo depuis tout à l'heure qu'on a vue qui est la plus riche. Tout à l'heure, on a regardé deux démos, deux POV, deux joueurs, de voir leur sang-froid et tout machin. Donc c'est comme ça que vous devez machin. Mais là, et là, hop, on remet sur la longa. Regardez, on a changé de rythme, bah maintenant on va sur la longa. Et voilà, et on y va. Parce qu'on sait déjà aussi qu'ils sont un peu money fuck. Et donc peut-être qu'ils n'ont pas de sniper. Donc on va sur la longa. Vous voyez le changement de rythme, les choix tactiques, etc. En tant que lead, tu t'inspires de ça. Enfin, moi en tout cas, je m'inspire de ça. Des changements de rythme, l'école, tu les varies en fonction de la routine des gens. Et du rythme, de l'intensité que tu as pu mettre. Tu vas une fois GA, deux fois GA, tu ne retombes pas trois fois. Cette fois, tu t'en mets un seul GA qui met des flashs GA pour faire croire que tu y es. Et derrière, tu vas mid. Voilà. Et là, cette fois, ils vont longa. Hop, là il a vu. Hop, et là ça accélère immédiatement. Vous voyez la réactivité? Et on garde que ça. Et il le tue. Voilà, il s'en bat les couilles du mec à droite. Il garde que le mec qui va rotate. La WAP aujourd'hui, c'est quelqu'un qui casse toutes les rotations. C'est pas un mec qui entry. Là vous voyez bien, il entry jamais. Si on se met sur Kenya, je vous jure qu'il va entry. Peut-être plus maintenant. Depuis un mois ou deux, il a quand même 4 mois, même 3-4 mois que. Je trouve qu'il a quand même changé un peu de style de jeu. Il joue un peu plus comme ça maintenant, Kenny. Il est beaucoup plus intelligent qu'avant.
intelligent dans son jeu, dans la pratique, quoi. Donc là, on a Nico qui fait le boost. Vous l'avez vu se booster là à droite sur le banc. Et ça a fait un kill ballon. Voilà, ça fait un petit kill ballon. Et voilà, on a Guardian qui prend pas de risque. Et là, qui garde la longue. Et il y en a un longue. Regardez le radar, il y en a un longue. On va voir qui aura le plus de sang-froid. Et qui va attendre le plus longtemps. Peut-être le mec longue va y aller. Là, il commence à vouloir y aller, Guardian. Ça le démange. Il met une petite flash. Il s'en va. Là, le mec longa, il sait que c'est un fake. Que maintenant, c'est juste une flash sans activité. Donc là, le mec, vous pouvez voir le radar. Regardez pas le jeu de Guardian. Regardez le radar. Donc là, longa, il se repositionne. Et là, on est déjà en B à 30 secondes de la fin. On va mollo le toxique ou pas. Garde le T1, pourquoi? Tout à l'heure, il y avait son pote. Donc il a pris la ligne dès que son pote a lâché. Il leur flash. Ouais, il est en flash, il est support. Vous voyez bien que là, Guardian, c'est sniper support. Il laisse passer les gens devant, il décale que les grandes lignes, il leur garde que les grandes lignes. Voilà. S'il y a quelqu'un à gauche là-bas, il le tue. Voilà. Moi, je garde que ma ligne, je suis dans mon truc et je fais confiance à mon pote qui garde la droite, etc. etc. Aujourd'hui, le rôle d'un sniper, c'est ça. C'est Device qui a un peu instauré cette méta sniper, je trouve. Voilà. Et il garde que la gauche parce qu'on ne sait pas si le mec est à gauche ou pas. Et le monster, le T2 et tout, après c'est la communication, les gens sont là. Et, ouais, et après là, le mec à gauche, il a vu, il le rate, il se smoke, et il se replace. Je vous jure qu'un Kenyas, il aurait redécalé. Il aurait dit, je te baisse ta mère. Mais là, Guardian, vous voyez, il se replace, il le tue quand même. Mais Kenyas, il aurait redécalé, il l'aurait tué, peut-être. Ou alors, il aurait pris un tap. Mais dans tous les cas, c'est deux styles différents. Donc là, il est agressif sur le ballon. Hop, il a la ligne. Il en prend un, il n'en prendra pas deux. Hop, il met une petite flash pick. Ouais, support. Le mec prend un kill, il se replace. Il garde la sortie connector. Ça, c'est sa pose. Celle-là, là, sur le petit muret ici, moi j'appelle ça Guardian. Donc, c'est sa pose depuis très longtemps. Voilà. Ils ont perdu de la zone. Regardez les terreaux, ils ont pris le ballon et tout. Donc là, il recule parce qu'il sait qu'il peut se faire débouler par les toilettes et tout maintenant. Vous voyez le positionnement? On se replace. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Les mecs là sont dans le connecteur. C'est dur à comprendre aussi la map hein, sur Overpass. Très, très dur à comprendre ça. Là, ils sont dans le connecteur. Ils remontent du connecteur à l'instant. Là, ils engrangent sur la banane et les toilettes. Voilà, il saute Gordon pour avoir toutes les infos. On a une info banane. Il décale, il le tue. Ah non, c'est pas lui. Hop, les deux toilettes, on a les deux infos. Il redécale. Il peut se permettre de redécaler. Tu vois, il a redécalé deux coups à droite et un coup à gauche. Et après, il le tue. Voilà. Il avait une ligne à droite, il tue pas. Il a redécalé à droite, il tue pas. Il est parti à gauche. Vous voyez, il change son placement, son truc. Là, il change de rythme. Depuis, ça fait deux rounds qu'il est en A. Maintenant, il va piquer en B. Hop. Il a eu peur. Il a eu peur. Il va se faire violer là. Ah bah non, merci Guardian. Donc là voilà, pic de fou malade. On va pas se mentir, il y a le skill, il y a le passement, l'intelligence, le changement de rythme. Et derrière on se repositionne et couteau en main, on repart en A pour dézoner. Comme ça les gens, les joueurs ne savent jamais où tu es. Donc, même pas en A, il reprend la petite info B pour mettre... Que les mecs en A ont dit non, t'inquiète, on est bien. Voilà, il lui dit vas-y, cache-toi le T1. Cache-toi le T1, mets-toi bien à gauche, je vais prendre la ligne, t'inquiète pas. Il attend, il sent le timing et maintenant il y va. Voilà, il sait qu'il a l'info en haut. Il aurait peut-être dû mettre sa flash. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Sandwich, un peu standard, on garde le ballon. Ouais, micro-ligne. Hein. On n'a pas une ligne pour tuer, on a une ligne pour avoir une info. Ça aussi, il faut faire la différence, les gars. Les mecs, en général, ils sont escaliers, comme ça, comme là où il est maintenant. Mais là, il l'a pris maintenant. Pourquoi? Parce qu'il sait que Rain a pris les kills en A à Longa. Donc il sait que les mecs, là, normalement, ils sont pas ici. Donc voilà, maintenant, Rain s'est fait éclater Longa. Maintenant, il a peur des toilettes. Et donc, il se repositionne. Vous voyez pourquoi il a smoke? Pourquoi il fait ça? Il avait une pause safe.
Rein lui donne une info qui sent Longa, donc il prend une pose plus agressive. Rein meurt, il se smoke, et là maintenant, la smoke va se dissiper, et il se replace, il recule. C'est intelligence, compréhension des timings. Voilà, il fait son kill, et là il va se replacer. Je vous le dis, c'est. Quand tu vois un sniper comme ça, t'es obligé de t'inspirer de ça comme snipe, quoi. Là, il y a la smoke. Derrière, il mollo derrière pour essayer de leur faire perdre du temps. Il spray à la car parce que c'est plus sûr pour faire un peu de bruit. Il met une flash derrière, il reprend son sniper. Ça fait chier les terreaux. La smoke se dissipe, il reste que 20 secondes. On est 2 en A. Guardian a fait son round. Après, il y a Rein. Rein a pas mal aidé aussi. Hein. Rein a pas mal aidé sur les 2 kills Longa. Mais là, derrière, Luminosity, ils ont plus de temps. Guardian, il a la ligne. Merci, au revoir, c'est fini. Il a free un kill, hop, il se replace, il change de ligne. Et hop, merci, au revoir. Et un 1, vous l'avez vu, il a décalé là où il est Guardian maintenant. Vous l'avez vu, il était de profil à lui. C'est-à-dire que tout de suite, il fait un kill, il a directement un repositionnement en une microseconde qui est fait. Il prend son couteau, il se repositionne, il reprend son scope. Prends, tu serres la main et tu dis merci, frère, apprends-moi CS. C'est là où tu vois que Guardian est un des meilleurs snipers, en tout cas, in-game. Il peut avoir des mauvaises passes, pas des mauvaises passes, rater ses shots. Au niveau de ses placements, de ses positionnements, de ses repiques, de son gestion de stuff et tout, bah, le mec, il est équilibré, quoi. Il sait faire tout. Là, il garde la ligne au niveau de la fontaine. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Maintenant, il a un peu peur du connector. À une 40, en général, tu lâches. Voilà, il a lâché, il se replace. Il a lâché, il se replace. Donc là, ils ont peur peut-être du B et tout ça, parce que le mec a dû lâcher. Là, en B, ils ont dit non, c'est bon, t'inquiète, on est bien. Donc là, maintenant, il y a un repositionnement de Rein qui se met devant la smoke, là, comme vous pouvez le voir, et Guardian qui va le bait. Va garder la ligne. Là, changement de rythme. Depuis tout à l'heure, il était sur la banane, etc. Maintenant, il sait que 1-1 à la WAP, très certainement. Et il a voulu aller longa. Sauf que les autres sont allés en B, ils se font rect en B par Nico, Rein, Olof. Enfin, t'imagines, frère, sur un BP, t'as Rein, Olof, Nico. C'est dur, hein. C'est très très dur. Là, le mec, il se retrouve en V5, un V4. Ils ont fait du 3 pour 1, c'est compliqué. Hein. Ils sont un V... Soit il est un V4, soit ils sont 2 V4 qui sont en boost. Je comprends pas trop ce qui se passe sur le radar. Mais voilà quoi. Enfin, 15-8, match maîtrisé. Guardian 30 kills. Bon, il a fait des kills. Il a fait des kills qui servaient un peu à rien en terreau, quand il a allé save et tout, pour ceux qui étaient là depuis le début. Mais en CT c'est l'apéro, il a été très efficace, il aide beaucoup son équipe, voilà quoi.